La parole m'est donnée en fait effectivement pour parler des 20 ans de l'immersion, donc des premières immersions à des récifs artificiels. Et oui, je ne vais pas pouvoir moi non plus en fait occulter Gérard, qui effectivement a été l'instigateur de cette aventure. Et Monsieur Quétouche parlait de détermination, tout le monde le savait. Déterminé, oui, et profondément têtu. Mais c'est grâce à ça, finalement, en fait, qu'on a pu arriver à cette aventure-là. Et oui, il est notifié ici donc, le pari un peu fou, parce qu'on avait quelqu'un qui, effectivement, avait cette détermination, mais aussi ce vrai amour en fait, de la mer. Donc oui, il était pêcheur en fait de surf casting, passionné de mer. Et parce qu'il avait constaté finalement qu'il y avait une difficulté pour lui de faire ses pêches régulièrement, il s'est dit en fait, pourquoi pas en fait, m'approprier ça et faire quelque chose. Donc il a commencé en fait à se rapprocher ben, de la Vremca, qui avait donc immergé des récifs artificiels à Mimizan dans les années donc, 80, et bien sûr des projets au niveau de la Méditerranée en 1968. Donc l'association s'est créée donc en 1996 et Gérard a eu déjà l'intention de se rapprocher des séances participatives et de la concertation. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais cette question-là en fait de mettre ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble et de se parler. Pêcheurs, plongeurs, amateurs, plaisanciers, biologistes ou simplement en fait amoureux de la mer. Et par là, en fait, il avait choisi dès le départ trois sites. Bien sûr, absolument pas choisi totalement par hasard, puisque, bien sûr, le premier, Cabreton, très libre, puisqu'il y avait bien évidemment un port. Et après, derrière, les trois autres, dans la concession donc, de Souston, Vieux-Boucau, proche du lac marin en fait, de Port-d'Albret, pour la question en fait, du nourrissement. La concession également de Messanges, Azur et Molière-Tlemaan. Avec la proximité donc du courant du Chète. Le projet d'Aquitaine Land Récif a été rapidement et avec plaisir et de Monsieur Fourneau aussi bien sûr et de nous, membres de l'association, soutenu par les élus, avec des partenariats forts, qui étaient le CIVOM en fait Côte Sud des Landes, qui avait pris en charge en fait la maîtrise d'ouvrage du projet. Il y avait bien évidemment en fait la région Nouvelle-Aquitaine, à l'époque c'était donc la région Aquitaine. Le département des Landes nous a donc grandement soutenus. Le programme européen PESCA nous a permis effectivement de lancer la démarche avec l'ambition qui était celle-là dès le départ. Donc on a pu, dès le départ au niveau de Cabreton en 1999, immerger donc quasiment 800 mètres cubes de béton. On en parlera un tout petit peu plus tard. Avec bien évidemment une étude d'impact qui a été réalisée par le bureau d'études Biosub, qui nous a permis dès le départ d'avoir cette conscience scientifique qui était très intéressante pour nous, pour qu'on ait effectivement ce regard fin sur ce qu'allait devenir justement ce projet-là. Par là derrière, en fait, quand vous voyez ici donc, les plongeurs de l'association, donc plongeurs bénévoles de l'association, quand on parle de récifs artificiels, en fait, finalement, de quoi? De quoi nous allons parler? Il y a bien évidemment une vie associative, vous le voyez là. Il y avait des mouclades, pour ceux qui s'en souviennent, où effectivement ça a permis de nous retrouver et de partager des moments en fait, d'une vraie association que ce que nous sommes, hein, Association Loi 1901, et d'avoir vraiment un réel intérêt partagé en fait, les uns avec les autres. Donc maintenant, nous sommes toujours une association et nous allons donc aujourd'hui de maintenant vous expliquer les récifs artificiels finalement de quoi parle-t-on? Je prendrai la définition en fait de Denis Lacroix de 2001 qui parle de structures immergées volontairement dans le but de créer, de protéger, de restaurer un écosystème pouvant induire des réponses d'attraction, pardon, de concentration, de protection et d'augmentation de la biomasse de certaines espèces. Par là, donc, si on voit juste sur la diapositive suivante la carte en fait, d'implantation des récifs artificiels en France, vous avez bien sûr une concentration légitime en fait, hein, sur la Méditerranée, puisqu'il y a, vous le verrez au niveau du suivi scientifique que vous présentera Jessica tout à l'heure, bien sûr, plus de facilité à suivre les choses dans un contexte moins tourmenté que celui en fait de l'Atlantique.
Donc une fois qu'on a vu ça, où nous effectivement on apparaît sur littoral Akita, c'est comment concevoir des récifs artificiels. Finalement, d'où va partir cette idée avec donc, nos trois concessions, donc le site de Cabreton, Souston-Vieux-Boucau, et le site de Messanges, Azur et Moliat-Séma, en fonction effectivement des nourrissements que je vous ai énoncés précédemment. Donc la conception des récifs artificiels, de quelle manière le souhait effectivement qui a été au départ énoncé, eu égard également au financement qui n'était pas encore là complètement au départ, c'était la récupération de buses, des buses qui étaient au départ destinées aux travaux publics, et après elles avaient été déclassées. Donc nous avons effectivement récupéré donc ces buses-là, et l'objectif après derrière, c'est d'avoir donc un amas chaotique sur les trois concessions, ce qui a été fait. Donc les premières immersions donc, à Cabreton étaient donc en béton, sur un poids qui était compris à peu près, donc c'était une tonne en fait pour une buse. Et ce que l'on voit, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, donc 20 ans après, c'est que nous avons bien en fait une vraie pérennité de ces structures-là, puisque même si nous avons un milieu qui est assez corrosif, entre guillemets, avec cette eau de mer, les structures sont intactes aujourd'hui. Donc on a effectivement une durabilité des structures qui avaient été choisies dès le départ. Aujourd'hui, effectivement, non, c'est pas grave. Aujourd'hui, en fait, nous sommes partis effectivement sur un autre format. Et effectivement, on est vraiment sur cette association, sur un principe d'amélioration continue. Où, pour expérimenter, Gérard Fourneau avait vraiment voulu faire d'autres choix. Et ces choix-là se sont basés effectivement sur l'observation de récifs artificiels spécifiques du golfe de Gascogne. Et donc le tipi est apparu. Donc un tipi avec une nouvelle étape en fait sur l'association Aquitaine Nord Récif, avec bien sûr l'expertise de M. Sylvain Pioche, que je dois excuser aujourd'hui, parce que malheureusement en fait il a été appelé à d'autres contingences pour la semaine prochaine, donc il n'a pas pu être aujourd'hui avec nous. Et donc, avec l'expertise de M. Pioche, nous sommes partis effectivement sur cette projection-là, donc plutôt beaucoup plus stable, mais inspirée donc, du Japon, où c'était donc des volumes qui faisaient du 21 tonnes. Donc, le choix en fait, de ce type-là a permis de fabriquer des moules et avoir après derrière des différents exemplaires de ce type que l'on peut après déployer ailleurs. Donc ce tipi est formé donc de 6 faces de béton coulé individuellement dans une usine qui est dans le Tarn-et-Garonne. Donc on n'est pas très loin, on est vraiment sur l'économie territoriale et on est sur l'économie circulaire encore une fois. Donc on a des tiges filetées et juste pour information, en fait, le montage, donc ça c'est dans le Tarn-et-Garonne, le montage en fait de l'association en fait de ces faces-là avec l'association de bénévoles et de salariés, en à peine 3 heures en fait, l'assemblage avait pu être fait. On a une vraie implication en fait des salariés qui ont fait et des volontaires qui ont permis en fait le montage de ces assurances. On voit bien les tiges filetées ici, pardon, les tiges filetées là, et donc les plaques qui ont fait qu'on a pu effectivement arriver sur ce montage. Donc aujourd'hui, ce tipi-là a une forme donc conique, plus stable, et on est sur du 13 tonnes. Comparé effectivement à la buse, je vous rappelle, qui était à peu près donc, d'une tonne. Et on a 2,60 m donc, de hauteur qui, oui, effectivement, constitue un réel impact en fait, contre le chalutage et qui n'est pas effectivement la volonté première. Ça permet vraiment, encore une fois, d'augmenter les volumes et la diversité en fait, des récifs artificiels qui sont déjà là. Comme cette opération-là du tipi a eu un vrai succès, l'idée après derrière, c'était est-ce qu'on ne va pas pouvoir éventuellement aménager l'intérieur et faire quelque chose pour encore une fois développer encore plus cette opérationnalité. Et donc, il a été question donc, de mettre en place des plaques pour pouvoir aussi que les concrétions puissent se faire. Et donc, ce projet de tipi a évolué en fait. Il a évolué vers un récif que l'on appelle aujourd'hui, donc oui, il est là, le Babel. Le Babel qui aujourd'hui donc, a plusieurs plaques de béton superposées avec des pieds de différentes hauteurs. Et ces plaques hexagonales, vont permettre en fait une ouverture et une circulation en fait à l'intérieur de celle-ci. Et donc la circulation de l'eau et ce Babel-là, donc la tour de Babel bien sûr, et cette représentation a le nom qui correspond effectivement à l'ambition qui est celle de ce dernier récif. Donc en 2015, donc bien sûr, il y a eu immersion donc, sur les trois concessions de ce dernier modèle. Donc 4 plaques. On est sur du 2,50 m en fait de hauteur et un poids un peu plus allégé par rapport au tipi puisqu'on est sur du 10 tonnes. Donc 1, 13 et aujourd'hui 10.
10 tonnes donc de profondeur pour encore une fois permettre ce qui est entre guillemets le plus difficile à faire, c'est l'immersion. C'est que la structuration est là, on arrive à fabriquer, mais derrière, comment on va pouvoir donc mettre en place ces choses-là. Donc, pour immerger les premiers modules à Cap-Breton, donc en 1999, une barge de débarquement avait été mise en place pour pouvoir en fait immerger ces 800 mètres cubes de béton en fait, grâce à un chargement, on voit ici, un chargement au niveau donc du bateau. Ces structures-là avaient été donc attachées après derrière autour de la coque du bateau avec du cordage. Et arrivé au-dessus en fait du site d'immersion, il était question donc de pouvoir donc bien sûr effectuer le largage. Donc on est avec des choses encore une fois très empiriques, hein, puisque c'était ça avait été découpé en fait avec un couteau et largué donc de façon à créer en fait un amas donc oui chaotique. Effectivement, on était encore une fois en 99, c'était le démarrage donc c'était entre guillemets l'ancienne. Donc on était donc oui sur un fond sableux plat pour pouvoir effectivement et on est à 1005 en fait des côtes et à 20 mètres de profondeur. Donc oui, cette expérience, elle est artisanale, certes, mais ça marche. Vous le verrez tout à l'heure au niveau du suivi scientifique, on a des espèces, diverses espèces. Et donc par là, donc, on a pu, grâce en fait à cette expérience de départ, arriver aujourd'hui à des immersions un petit peu plus performantes pour les autres concessions, que ce soit Souston Vieux-Boucau et Messange Azur Moliès. Puisque pour ces immersions plus récentes, en fait, faute de bateaux suffisamment puissants pour arriver effectivement à absorber ces tonnages dont on dispose, et pour limiter les coûts, bien évidemment, on est sur du fonctionnement avec de l'argent public. Donc il faut effectivement arriver à gérer cet argent-là et pouvoir l'immerger de façon à ce qu'en ça puisse servir à quelque chose. Donc Gérard Fournon, c'est bien sûr tourné vers les phares et balises du Verdon. Comme ça, le baliseur Gascogne a permis en fait, de transporter et de manutentionner en fait, ces récifs d'un poids inférieur en fait, à 13 tonnes, avec une grue que l'on voit là, en fait, qui était adaptée en fait, pour cette ambition et ce projet-là. Et derrière, donc, ce navire a permis également d'immerger donc, le Tipi et le Babel, que ce soit en 2010 puis en 2015. Donc au final, les grandes étapes de nos 20 ans. Donc 99, donc immersion des 800 mètres cubes, une tonne. 2002, on tente quelque chose avec effectivement une structure métallique où on essaiera en fait de mettre en place des huîtres. 2008, on essaye également en fait de mettre en place des filières sur les buses également. 2010, on immerge les tipis, on est sur du 13 tonnes. Et ensuite, en septembre 2015, donc immersion donc, du Babel et d'un projet en fait, que l'on appellera Néride. Donc, on voit effectivement toute cette évolution, ces choses testées qui ont plus ou moins bien fonctionné. Mais on est vraiment en fait, sur une association où on essaye d'être vraiment en fait, sur l'amélioration continue et de tirer en fait, vraiment part de tout ce qu'on a pu faire et encore une fois, être sur l'amélioration continue. On le voit là, en fait, on voit bien le... les différentes structures. Donc, vous avez donc les amas chaotiques, donc des buses. Vous avez après derrière, bien sûr, le tipi et après derrière, donc le dernier, le Babel, donc de 10 tonnes aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour moi et je vais passer donc la parole à Elodie qui va vous parler en fait de notre volet, en fait, de notre association qui sont donc les actions de sensibilisation. Parce que c'est assez élitiste finalement, parce que certains plongeurs peuvent accéder à ça. Donc il faut qu'on puisse, nous, association, pouvoir faire part de tout ce que l'on, de tout ce que l'on conduit. Et donc les actions que l'on mène à destination des écoles, des élus ou de vous en fait aujourd'hui, ce sont parmi en fait, nos actions de sensibilisation que l'on arrive à les conduire. Donc je passe la question, la parole pardon, à Elodie. Merci. Alors, comme vous l'a expliqué Nelly, donc l'association, dès le départ, en fait, a décidé d'expliquer, de porter son projet auprès des différents publics, auprès des scolaires, auprès du grand public. Donc, pour cela, dès le départ, Gérard Fourneau a fait le tour de la région, je pense, pour présenter les actions de l'association. L'association propose régulièrement, tout au long de l'année, différentes expositions, des conférences.
Donc que ce soit à l'échelle du département, de la région, et dans le cadre de différentes manifestations, chaque année notamment nous participons à la fête de la science, nous participons également à la fête de la mer à Cabreton. Donc nous sommes également régulièrement sollicités pour animer des ateliers à destination des scolaires, et ce également à travers tout le territoire. Nous intervenons en classe, par le biais d'animations, de jeux, d'exposés, de conférences. Mais nous intervenons aussi sur le terrain, dans le cadre de pêche à pied par exemple, ou encore dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Au cours de ces animations, différents sujets sont abordés. Donc les récifs artificiels bien évidemment, l'océan plus largement, la pêche, que ce soit la pêche professionnelle, la pêche de loisirs, et plus largement aussi, nous parlons de la faune et de la flore marine. Depuis 2018, l'association est devenue relais Biolite par le biais d'un partenariat avec Planète Mer. Biolite est un programme national de sciences participatives sur la biodiversité littorale. Et dans ce cadre, nous organisons l'été des pêches à pied, notamment, autour du lac marin de Port-d'Albret. L'objectif de ces sorties est de former les gens à l'identification des espèces et à la collecte de données. Ces données seront ensuite transmises par le biais du relais Biolite au Muséum d'Histoire Naturelle. Cependant, les actions de sensibilisation ne seraient pas possibles sans tout le travail préalable qui est effectué dans le cadre du suivi scientifique, dont va vous parler Jessica Salin, notre salariée doctorante. Donc, comme on a pu le voir sur la vidéo, la faune est très, très, très abondante et très diversifiée. Et donc, je vais vous expliquer maintenant un peu plus comment les suivis scientifiques se sont mis en place sur les récifs artificiels. Donc, il faut savoir que dès ses débuts, Aquitaine Land Récif a souhaité inscrire son action dans une démarche scientifique. Donc, pour cela, bien avant les immersions, elle a réalisé une étude préliminaire à l'implantation et donc a fait un suivi sur des zones vierges de récifs. Donc c'était des zones de sable fin et voilà, qui sont caractéristiques de la côte landaise. Et donc les résultats de ces suivis ont montré que ces sables étaient faiblement peuplés, donc avec quelques présences d'échinodermes tels que des oursins ou des mollusques, et seulement une espèce de poisson qui était une seule. Alors je vais attendre deux petites secondes. Donc, dès la première année des immersions, je vais continuer, puis ça va se mettre en place. Dès la première année des immersions, les suivis donc, se sont mis en place. Pour cela, Aquitaine Land Récif a fait appel à un bureau d'études pour former les plongeurs bénévoles de l'association. Les former à quoi? Les former au comptage et à l'identification des espèces. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement sur le diaporama. Voilà. Et seulement un mois après les premières immersions de Cap-Breton, les plongeurs ont réalisé leur premier suivi sur les récifs donc, de Cap-Breton, qui étaient des buses. Et donc, les premiers résultats n'ont pas manqué de surprendre. 11 espèces de poissons étaient déjà présentes sur site. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur les photos et ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc, présence de chinchards, de sards, de tacos, d'ombrines, de rougets, de grandes vives, ou même de vieilles, et surtout les poulpes qui avaient déjà élu domicile dans les récifs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est tout un écosystème qui commence à se mettre en place. Donc, un an après, les suivis de comptage en plongée, ils continuent à montrer une augmentation de la faune sur les sites. Et à ces suivis, se sont ajoutés des prélèvements de sédiments pour analyser la faune irrésidente qu'on appelle la faune benthique. Donc ici encore, les résultats montrent une faune riche et diversifiée. Et cette faune, elle est d'autant plus importante qu'elle sert de premier maillon à la chaîne alimentaire de tout l'écosystème qui va se développer sur les récifs artificiels. Donc les années passent et les suivis en plongée continuent sur les récifs de Cap-Breton. Chaque année, ce sont de nouvelles espèces qui sont identifiées, qui excitent toujours un peu plus la curiosité de nos plongeurs bénévoles. Ce sont des congres, des poissons lunes, des barres, mais également des étrilles, des homards ou des langoustes qui sont observés. Voilà. Donc les années 2007 et 2008 sont marquées par des pêches expérimentales qui permettent de compléter les données d'observation des plongeurs.
En effet, malgré un œil aguerri de nos plongeurs, certaines espèces sont craintives et peuvent être très difficiles à observer en plongée. Donc, ces pêches sont donc l'occasion de savoir si d'autres espèces côtoient les récifs artificiels. Et c'est avec étonnement, là encore, que la liste d'espèces s'allonge, avec notamment des captures d'anchois, de bonites, de dorades, de grisets ou encore de lieux jaunes, pour n'en citer que quelques-unes. En 2013, avec le soutien du Conseil régional, le CIBOM Côte Sud et Action Pain, et avec l'association, on fait l'acquisition d'un navire, donc le Barracuda 3, afin de pouvoir être autonome dans l'organisation des suivis scientifiques. Donc le bateau a été baptisé en même temps que le Nicolas II, navire de la SNSM de Cap-Breton, et en présence notamment du ministre de la Mer, Frédéric Cuvillier. Voilà. Donc après maintenant 20 ans d'immersion, les suivis de la faune et de la flore marine continuent de nous surprendre. Les plongeurs de l'association, qui sont des passionnés, se forment à d'autres méthodes de suivi. Ce sont donc les suivis de la faune fixée, cette fois-ci, qui se mettent en place, ou des analyses de vidéos, et de nouvelles pêches qui permettront de comprendre l'évolution de la tenue dans le temps de tout cet écosystème autour des récifs artificiels. Voilà. Donc là, on voit très bien sur les photos l'évolution et des plongeurs qui réalisent les suivis sur les récifs artificiels. Donc, fort de leurs observations sous-marines, Aquitaine Land Récif souhaite également montrer que les récifs artificiels peuvent aussi servir de stations d'observation dans le cadre de différentes études scientifiques. Et donc, en 2005, l'Ifremer a mis en place une station acoustique fixe pour caractériser les échos des poissons et quantifier la présence d'espèces de poissons bleus, notamment. Donc, il faut savoir que cette méthode est largement utilisée maintenant dans les campagnes halieutiques Ifremer. D'autres expérimentations ont suivi, avec cette fois-ci des tests, donc c'est ce qu'on voit sur les photos, donc c'est l'immersion de cages à huîtres, et donc c'était une expérimentation de grossissement en eau profonde d'huîtres. Donc cette expérimentation a été réalisée à plusieurs reprises et a montré une absence de mortalité des huîtres dans ce milieu et à cette profondeur. L'expérience acquise par ALR a aussi été partagée dans le cadre d'autres projets, tels que des études de faisabilité à Arcachon, notamment en partenariat avec Sylvain Pioche, qui s'excuse encore de ne pouvoir être présent aujourd'hui, ou alors dans le cadre d'immersion des récifs à Oléron par le CREA. D'autres types d'expériences ont été réalisées. Donc là, ce qu'on voit sur les photos, ce sont les récifs qui ont été vendus au CREA et qui ont été immergés l'année dernière à Oléron. D'autres types d'expériences ont été réalisées, avec cette fois-ci en partenariat avec le BRGM. Et donc l'objectif de l'étude était de caractériser la physique, on va dire, plutôt une caractérisation physique des côtes landaises, avec notamment l'immersion d'un ADCP, qu'on voit ici sur les photos, qui permet de mesurer la houle et les courants sur les côtes. Sur des zones, pourquoi les immerger près des récifs artificiels? Car ce sont des zones de faible profondeur qui sont difficilement accessibles par des gros navires océanographiques. Voilà, donc Aquitaine Land Récif a accumulé beaucoup de données scientifiques qu'elle partage largement avec la communauté scientifique, tels que l'ERMA, par exemple, à Biarritz. Et les résultats de ces suivis ont fait aussi l'objet de publications dans des revues scientifiques internationales. C'est également à travers le 16e colloque organisé par la Société franco-japonaise d'océanographie en 2015, auquel Nelly Ferroux et Gérard Fourneau ont participé, qu'ils ont pu échanger et présenter les résultats scientifiques des récifs de Cap-Breton. Ce colloque a été également l'occasion d'échanges et de contacts avec notamment M. Patrick Prouzet, qui interviendra un peu plus tard, ou encore M. Dauvin. Voilà, pour conclure, donc, l'un des enjeux majeurs de notre époque, c'est la caractérisation et surtout le suivi du réchauffement climatique. Et les récifs artificiels qui sont immergés donc, au large subiront également ces changements. Et c'est tout naturellement que les plongeurs de l'association seront aux premières loges pour observer ces modifications, que ce soit de la température, d'arrivée d'espèces tropicales ou de fuite vers le nord d'espèces locales. Donc, au vu de ces changements, l'association a souhaité réaliser une étude approfondie de ces récifs et de l'écosystème qui s'y est créé actuellement.
Et donc, elle a mis en place, en partenariat avec donc Sylvain Pioche, du laboratoire CEF, partenaire de longue date de l'Université de Montpellier, Monsieur Jean-Claude Dauvin, du laboratoire M2C de Caen, rencontré donc au colloque de la Société franco-japonaise Océanographie au Japon, et avec l'ANRT. Donc, ils ont monté une thèse CIFRE portant sur l'évaluation des réseaux socio-écologiques des récifs artificiels. Voilà, que je porte. Donc, je vous introduis maintenant la table ronde avec Monsieur Patrick Prouzet, qui va vous parler donc de... je sais pas le titre... d'anticiper pour mieux s'adapter aux modifications de l'environnement liées au changement climatique.